Est-il possible de divorcer par consentement mutuel, donc quand un des époux a une nationalité étrangère et donc il y a un élément d'extranéité? Quand vous êtes divorcé donc de manière contentieuse, puisque dans cette hypothèse-là, il y a une décision de justice et donc il suffira donc pour que le divorce soit reconnu dans le pays d'origine de l'un ou l'autre des époux, donc de nationalité étrangère, il faudra retranscrire cet acte de divorce. En revanche, la situation est différente pour le divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire le divorce à l'amiable dans sa nouvelle version, puisque dans cette hypothèse-là, il n'y a pas de décision de justice. La convention de divorce est un acte d'avocat qui est contresigné donc par les parties et enregistré par le notaire. Attention, dès lors qu'il y a un élément d'extranéité, ça veut dire que l'un des époux est de nationalité étrangère, il faut absolument vérifier au préalable que ce divorce est reconnu dans le pays d'origine. Si le divorce n'est pas reconnu dans le pays d'origine, eh bien alors vous pourrez effectivement divorcer en France. Néanmoins, votre divorce, donc par consentement mutuel français, n'aura aucune valeur juridique donc dans le pays d'origine dont est issu donc l'un des époux de nationalité étrangère. Donc il faut absolument faire attention et bien regarder. Il existe des conventions bilatérales avec beaucoup de pays, mais il y a encore beaucoup de pays qui ne reconnaissent pas cette forme de divorce. Et dans cette hypothèse, avoir recours à la voie de divorce judiciaire devant les tribunaux.